Professeur Saint-Louis, bonsoir. Son plaisir finalement pour Aven. M'a rappelé ou sous Trip Fumi Info ou sous toute plateforme nous yo. Parlons pour changer avec TT sur YouTube ou également l'AIT Corps sous tout pays d'Haïti et reste maintenant sur Radio Télé Zénith. Bonsoir professeur et bienvenue. Comment nous y est? Bonsoir Thériel Télus. Bien content pour me participer dans l'émission Gagnant après-midi et puis n'a profité de l'occasion ça pour éclaircir la lanterne du public et toutes les fois qu'une capable. Correct. Toutefois que nous capables parce que là nous avons une situation compliquée. Avant toute bagarre professeur Saint-Louis ou même comme professeur comme nèg qui fait expérience dans pays a qui étudie qu'à l'école qu'a formé des générations dans pays a d'ailleurs texte yo c'est à travers tout côté des jeunes qui a suivre qu'a répéter après ou qui lecture de pays d'Haïti jodi a professeur bon même parce que nous vivons une situation qui est exceptionnellement grave. Exceptionnellement grave du fait que le pays a lié à genoux. Non seulement lié à genoux, nous gardons son pays qui est à bout de tout, mais qui est à bout de souffle. Pour la simple et bonne raison, nous gagnons une élite politique. C'est-à-dire, nous n'avons pas parlé d'élite politique, nous parlons des gens qui sont au sous-pouvoir avec des gens qui sont en opposition. Qui irresponsable. Le n'a parlé de irresponsabilité, c'est justement un thème hegelien m'a parlé. Hegel disait que dans un livre, il s'est écrit La raison de l'histoire. Il s'est dit la responsabilité, c'est la destination suprême de l'homme, mais seul l'animal est irresponsable. Depuis Odou, son monde qui est irresponsable, c'est comme si Odou son animal. Mais la plus grande erreur que nous ayons commise au cours de ces 30 dernières années, c'est le fait que nous avons confié le pouvoir de décider dans cette république à des âmes animales. Et c'est la raison pour laquelle, que je dis à, nous sommes au milieu d'une catastrophe qui végète. Voilà ma première lecture, voilà ma lecture de la situation actuelle du pays. Non, professeur, voilà, ou est-ce que l'émission dit cause? Nous voulons rester à terre. Et qu'on gros cause ou dit là, mais c'est dans la langue blanche ou dit lui. Ou dit que une raison de faire n'a patogé n'a baigné dans salami comme ça dans pays dans la boue c'est parce que nous prend pays à nous remettre li à des âmes animales gen paysan yo k'ap koute m la ça veut dire professeur parler clair pour peuple là et gen ba yo pas fin comprendre yo pas saisi oui parce que les âmes animales c'est justement des personnes des citoyens qui vivent dans tête l'état qui pas doit vivre dans tête l'état ça veut dire des monde qui pas posséder des capacités qui pas une capacité de raison. Ça veut dire yo pas préparé, yo pas formé pour arriver dans tête l'état. Voilà que c'est yo même qui a dirigé l'état. Et c'est la raison pour laquelle que bilan n'a pas gardé jodi a au cours de ces 3 décennies et c'est ça qui fait que bilan li globalement négatif. C'est-à-dire quel que soit domaine de la vie nationale ou pas, que ce soit les domaines sécuritaires, que ce soit domaine éducation, que ce soit domaine santé, domaine emploi, domaine infrastructure, c'est-à-dire son bilan désastreux, son bilan qui globalement négatif et que je dis à. Mais ce bilan globalement négatif, il faut être sérieux, il faut être honnête, il faut être intègre pour nous dire bilan ça. Les partager, son bilan partagé entre l'opposition, je vous dis, qui était hier au pouvoir, son bilan qui globalement partagé entre le pouvoir donc, et l'opposition. Donc ça explique qui ça, nous sommes dans une situation de faillite totale. C'est-à-dire la faillite totale des élites, faillite totale des élites politiques, faillite totale des élites économiques. Donc ça veut dire qu'on vit une situation de caducité des élites. Et parce que nous sommes dans une situation de caducité, donc il faut une rédemption de ce pays. Donc il faut une refondation de cette république. Ça veut dire qu'il faut commencer quelque part parce que le pays a failli. Mais si le pays a failli, mais il faut sanctionner les faillites. Si Haïti est faillite, Haïti ne s'est pas amené elle-même à la faillite. Ça veut dire qu'on équipe de monde qui mène le pays à la faillite là. Donc, peuple là, faut le penser. Le moment est arrivé de sanctionner les faillites.
Bon, parlant de sanctionner professeur, je pense que c'est un plus gros problème que nous avons dans le pays d'Haïti. Même si nous avons des éléments, des preuves tangibles qui dit que mais tel monde fait tel bagaille, mais quand on dit sanction, je pense que là, c'est plus gros problème que nous avons pays, hein, parce que pas de sanction qu'on prend contre personne, et ça fait tout le monde continuer à faire ça, vous voulez, parce que vous croyez que la justice là, li marre dans le pied exécutif là, li pas indépendant, vrai, malgré li ta supposé indépendant. Donc, question sanction, toujours, ouais, li paraît en anticrasse difficile. Professeur Sonnet Saint-Louis, on garde ça rapidement. Qu'est-ce que ça dit lorsqu'on levé dans dormi ou levé dans cabanon, et pour ouais, on tweet, ou bien ou ouais yon information qui fait quoi que Jovenel Moïse prend décision pour le bail, oui, pour le bail décharge acte des premiers ministres et des anciens ministres. Avant même ou répondre question pour dire qui ça dit, ou nous t'a souhaité que ou expliquer peuple moyen, tout public moyen cap couteau la cap suivre à travers le monde. Là, on dit décharge pour des fonctionnaires de l'État. C'est qui ça, ça veut dire? Parce qu'on est décharge en créole, qu'on j'en comprenne ni. Qui ça, ça veut dire décharge pour des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de l'État? D'accord. Ok, bien d'accord, parce que m'fait que ce des contextes qui a publié demain CDV dans le journal Le Nouveliste. Et m'a partagé la voix, peut-être que avant le publier, correct, avant l'entrevue a fini, n'a publié pour m'expliquer la question des décharges. Correct. Donc, c'est étudiant faculté de droit qui posait une question et puis me répondre parce que m'a pensé droit constitutionnel dans première année faculté de droit pour reprendre. Donc, m'a écrit avec ça pour me répondre aux interrogations des étudiants. Mais là, à parler des décharges, comprendre bien l'État. L'État, l'a géré le bien commun. Ça veut dire bien haut. C'est bien PAM, c'est bien pour lire. Bien l'État, ça, et ça fait moun qui n'a tête yo, yore ni yo les gestionnaires de l'État. Ça veut dire l'État c'est notre bien commun. L'État c'est notre patrimoine. Et bien l'État yo, non seulement faut yo gérer avec transparence. Et c'est la raison pour laquelle les yo confie au bien de l'État, ça veut dire faut gérer reddition de compte. Ça veut dire pour yo, ouais, est-ce que bien l'État ou t'as géré là ou bien géré là. Mais côté thème des décharges à sortir, la décharge, c'est une sorte de déresponsabilisation. Ça veut dire, y a des bons ont responsabilité pour te gérer bien l'État. Ça veut dire, si y a des baoules au cours de l'année fiscale, y a bon pendant un an pour gérer bien l'État. Maintenant, arrivé à la fin de l'année fiscale, ça veut dire, y a déresponsabilisé, y a tout comme ça, ah, ou bien, yo responsabilise ou bien yo déresponsabilise ou, yo dou ke bien ko tap géré ya ou géré le bien, yo pa ganye pou yo dou encore, yo déresponsabilise, ça veut dire yo bord de charge. Ça veut dire pour yo bord de charge, faut de gen charge. Ça veut dire faut moun yo comprendre bien, la décharge li lié avec la question de charge. La question de responsabilité li lié avec question de responsabilité. Ça veut dire c'est bien l'État que ou tap géré. Et à la fin, il dit que vous étiez un bon serviteur de l'État ou son fidèle serviteur de l'État, donc gestion des biens. Donc la décharge, ça veut dire que gestion des biens, bien public, comme l'État qu'on t'a géré, ça veut dire ou bien géré, et l'on bien géré, ça veut dire décharge ou déresponsabilisé. Wow! Alors, faut nous dire, pendant la parole la professeure Saint-Louis, d'après plusieurs amis dans la zone Martissant, oui, parce que m'a regardé une image là. OK, c'est DG Lunidim Landa te bali sur radio 1, même pote ko joine image là. Son pas. Ta été chargé. Gagne une infirmière qui prend balle jeudi an, ou bien après-midi à Martissan. Bien sûr, m'a regardé image là vraiment terrible. Et ben son infirmière qui en dans en ambulance, m'tendil prend balle là pendant la passe. Imaginez que bandi kap tire sous ambulance, kap tire sous Corbia, kap boule Corbia. Son bay grave kap passe Haïti là. Finalement, Haïti est invivable. Yon infirmière en dans ambulance, et bien yon l'ouvri bal sous ambulance là. Alors, faut nous font un bémol parce que gen information ta fait quoi tout. Gen des individus dans le pays d'Haïti, des gros autobré, oui, qui ta utilisé ambulance
pour porter matériel par l'autre chef gang dans l'autre quartier. Mais Haïti n'a pas l'air. En tout cas, bah, yon pile. Professeur Saint-Louis, maintenant, oui. C'est vrai ou parle de question reddition de compte lorsqu'on tape gérer bien l'État. Ça veut dire besoin des charges. Besoin des charges là, qui s'allie exactement? Qui instance qu'il a pour garder sous ta bien géré affaire l'État pour bord des charges? Bord des charges là, vous l'avez dit qui ça? Et pour, au prime abord, on a pris une question pour nous dire que, et pour nous très clair, très précis, avec mon capitaine de mission. La décharge de Jovenel, soit Jovenel fait jeudi à la, la décharge de Jovenel, est un certificat donné aux brigands et hors la loi qui ont saccagé les caisses publiques au cours de ces trois décennies. Ça, Jovenel, bah, la jeudi à la, c'est un certificat donné aux brigands et aux hors la loi qui ont saccagé les caisses publiques au cours de ces trois décennies. Et m'a essayé de répondre trois questions pour vous qui agitaient que des magouilleurs professionnels en Haïti, y a essayé agiter dans le débat public en ce qui concerne la question de décharge. Il y a des monde qui dit il y a un précédent. Ça veut dire que Jovenel Moïse n'est pas le seul président à accorder décharge, à prendre cette décision. Et gouvernement qui ça le fait une semaine avant, il publiait un décret que Boniface te prend, quand il t'a accordé des charges en 2006. Et deuxième bagaille, il fait tout, il relate le cas de René Préval, parce que René Préval te permet, Jacques-Édouard Alexis, il te permet que Jocelyn Privé aille dans l'élection sans décharge. Et ou bien il te prend une décision qui te permet qu'il te aller dans la décision hors décharge. Pour eux-mêmes, il y a un précédent. C'est-à-dire, il y a des précédents dans la question de décharge là. Mais je vais répondre comme ça. Vous connaissez Teriel Telus, je fais droit en Haïti, je fais études maîtrise en droit à l'Université de Montréal et scolarité de doctorat en droit, je fais le Canada. Ouais. Et plus particulièrement au Québec. Ouais. Là, au Québec, Québec, c'est le terrain propice pour l'étude du droit comparé parce qu'en Haïti, c'est le droit romano-germanique, nous hérité de la France. Mais lorsqu'on pays tant qu'au Canada ou qu'on pays tant qu'aux États-Unis, Australie, c'est le common law. Les nègres, il y a des éminents juristes qui ont classé, il y a des monde qui ont classé comme des éminents juristes, qui voulaient monter en Haïti, qui dit mais oui, il y avait des précédents. Mais pour étudiants, capitaine des émissions là, qui ça veut les précédents? Un précédent en common law, c'est une règle du droit. C'est la loi. Parce que en common law, ce n'est pas seulement les législateurs qui font les lois, les juges sont créateurs de droit en common law. Léonou, la théorie des précédents, c'est-à-dire c'est une décision que le tribunal a te prend sur un cas d'espèce et qu'elle tenue pour le répéter lorsqu'il s'agit de ce même cas d'espèce. M'a répété pour étudiants. Un précédent, c'est une règle de droit que les tribunaux sont tenus, les tribunaux de même rang ou bien de même degré, sont tenus de respecter lorsqu'il s'agit de trancher en cas de même espèce. Ça n'est pas dit Haïti, c'est pas des précédents. Que ce soit le gouvernement de Boniface ou le gouvernement de René Préval, c'est des cas de violation systématique de la Constitution et en aucun cas, on ne peut pas considérer des cas de violation systématique de la Constitution comme des précédents. Sinon, ils ont appris ça des précédents dangereux. C'est pas précédent, oui, c'est des cas. Il a même façon que Boniface avait violé la Constitution, de la même façon que René Préval a violé la Constitution, Jovenel Moïse aujourd'hui, en décidant d'accorder des charges aux anciens premiers ministres et ministres, continue dans cette démarche de violation systématique de la Constitution, et en aucun cas cette décision ne peut être considérée comme étant le fruit des précédents. Deuxième question, m'a fait répondre. C'est le René Préval qui est au pouvoir pour le permettre de faire des charges. Vous vous souvenez de Teriel Telus, à ce moment-là, on pense au côté jeune journaliste en Haïti. Il y a un pile jeune qui suivent là, qui prend note tout de suite, on va expliquer là. D'accord.
René Préval, et pour te permettre que René Préval prend décret pour te bailler des charges, Maître Dorval t'a évoqué la théorie des formalités impossibles. Mais m'a expliqué que, m'enseigner la faculté des droits au moment où Maître Dorval t'a pensé. Mais ça m'a dit là, m'a dit là avec arrogance, m'a dit là avec un pile modestie et un pile humilité. M'a dit justement parce que Maître Dorval mourit. Mais m'était toujours en contradiction avec, m'était toujours pas d'accord avec Maître Dorval sur ensemble des questions de droit constitutionnel en Haïti, notamment sur la question de la théorie des formalités impossibles, qui sont théories qui sont utilisées en droit administratif et qui ne peut être transposées sur le plan constitutionnel. Il m'était dit Dorval, et 60% des bagailles qui m'entendent la dire en Haïti sur droit constitutionnel, pour moi-même, c'est du fantasme juridique qui relève tout simplement de la bêtise. Parce que, écoutez, théorie des formalités impossibles qu'il était accordé, il était évoqué, laisse ça, j'ai l'impression que M. Dorval était au service du gouvernement de René Préval. Maintenant, lui permettre René Préval de détourner la loi, et puis il était accordé des charges. Et m'a dit tout avocat qu'il a, captandé, tout juriste captandé en Haïti, captandé émission là. L'avocat n'est pas là pour dissimuler la vérité aux yeux du public ou bien aux yeux du juge. Ou avocat Teriel Telus, l'ouvre l'émission émission là, m'a intervenu dans émission à grande écoute, dans le public captandé. D'ailleurs, faut me faire preuve d'éthique et de moralité. Parce qu'elle m'a intervenu dans l'espace public et je ne me permets pas de dire n'importe quoi. C'est sûr que je peux me tromper. Si je me trompe, m'a reprendre. Et si bon monde qui a une opinion qui est beaucoup plus sensée, beaucoup plus rationnelle passé, mais m'entendez opinion par là, puis bon, m'a dit au nom de la vérité scientifique, m'abandonne opinion non pour m'accepter opinion par là. Claire. Je peux me tromper de bonne foi. M'cadre comprendre de bonne foi, même pas là pour m'venir tromper moun dans l'émission là, m'pas là pour m'tromper la nation haïtienne, m'pas là pour m'venir tromper la République, parce que je sais que les juristes ont une mission sociale dans la société, celle de dire le droit tel qu'il est. Et c'est en disant le droit tel qu'il est, sans faux fuyant et sans complaisance, que je rends service à la société. Ça veut dire ça m'a dit là, c'est vérité. C'est la science qui m'a dégagé dans ça m'a dit là. Parce que c'était une erreur de Dorval, le fait qu'elle ait évoqué la théorie des formalités impossibles, qui sont théories que Timounio Captain là, qui est utilisé en droit administratif et qu'on n'a pas transposé sur le plan constitutionnel. Les utiliser théorie, ça, c'est dans le cadre des services publics. Là, nous pas dans le cadre des services publics. Mais c'est quoi la décharge? La décharge, c'est une formalité constitutionnelle à finalité politique. Timoun Captandeo, notez ça. C'est une formalité constitutionnelle à finalité politique. Donc ça veut dire qui ça? C'est le Parlement qui donne charge au gouvernement. Seul le Parlement peut le décharger. C'est le gouvernement qui donne responsabilité au gouvernement. C'est le Parlement qui donne responsabilité au gouvernement et de ce fait, seul le Parlement peut déresponsabiliser le gouvernement. Professeur Saint-Louis. Oui. On essaie, ouais, ça dit là tellement important. On essaie reprendre son dialogue langage qui paraît plus bas toujours. On dit que c'est Parlement qui bail charge à gouvernement. Donc c'est lui-même qui a droit décharger gouvernement. Qui s'en veut dire clair pour tout le monde comprendre. Absolument pas là. C'est comme si, écoutez, m'a mettre le piba encore pour tout le monde faculté des droits. En matière de gestion, c'est comme si ou juge est parti. En matière de gestion, ou pas qu'a dit je me contrôle. C'est une bêtise. Ça veut dire le gouvernement ne peut pas s'auto-évaluer. Le gouvernement ne peut pas s'auto-contrôler. C'est ça, les juges et partis. Absolument. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est le Parlement qui donne charge. Si l'exécutif la cabaye de charge, eh bien, nous pas dans la séparation des pouvoirs. Non, nous perdons ça quelquefois, quelque temps, professeur. Vous n'êtes pas dans le principe de la séparation des pouvoirs. Vous êtes dans le principe de la confiscation du pouvoir par un seul homme. Écoutez, Teriel. Quand nous n'avons pas qui gagne, m'a dit Timoun Yojodia, élite politique pays, moun kap fait politique yo là. Et puis, m'tende, surtout,
les docteurs du Palais National qui répandent des enseignements faux. Ce sont des faux docteurs. Je regarde tout le monde qui dit qu'il y a un titre de docteur, mais ce sont des faux docteurs. Parce que finalement, on ne parle pas de gens qui lit, on ne parle pas de condamnés. Parce que le droit, c'est une question de bon sens et même de logique. Qui avait donné charge au gouvernement? C'est le Parlement. Eh bien, c'est le Parlement qui pour décharger. Qui avait donné cette responsabilité au Parlement? Mais c'est le Parlement qui baille responsabilité au gouvernement. Qui est-ce qui pour déresponsabiliser? Donc, c'est le Parlement. Au terme de l'article 158 de la Constitution, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et m'a dit une bagaille qui gagne. Ou qu'on est, par exemple, un budget en Haïti. Et budget, m'tende en pile économiste qui a parlé, oui, et budget pour année fiscale là, c'est là bon l'autre bord. Mais le budget n'est pas un document économique, non? C'est pas un document financier, non? C'est un document de mise en œuvre des politiques publiques. Y'a pas dit budget, non, y'a dit loi de finances. C'est loi de finances, y'a dit. Le budget, c'est une loi. Qu'est-ce qui explique la haute juridicité du budget, c'est son vote par le Parlement. Depuis le Parlement n'a pas voté budget, pas de budget. Haïti n'a pas budget parce que n'a pas de Parlement. Et puis, deuxième bagaille, Mabdou, qui est une sottise. Je dis à yon nommé Ariel comme Premier ministre. Mais le poste du Premier ministre est inséparable de l'existence du Parlement. S'il n'y a pas de Parlement, il ne peut pas avoir un poste de Premier ministre. Parce que le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Donc, pas qu'à des premiers ministres, ça veut dire dans la Constitution de 1987, pas qu'à des gouvernements sans le Parlement. Et c'est la raison pour laquelle que le Parlement, c'est une institution importante. La Constitution ne prévoit pas que le Parlement puisse être en vacances. Et c'est la raison pour laquelle ce sont des brigands qui sont à la tête de l'État, c'est des hors la loi. Parce que pas qu'à des premiers ministres sans Parlement, ça n'existe pas. Parce que le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Et Mabzogen Bagayet, Télus. Gampil, m'a fort confiance ça. M'a parlé avec ancien premier ministre Kapli. M'a dit, mais mettre sonner et m'écrit parlement pour demander le décharge. Pas moi, j'en m'occupe, non? M'a dit, premier ministre Evans Paul, est-ce qu'on te font déclaration politique générale devant parlement? Claire. Dit, non, m'a dit, ouais, moi-même, comme profane et responsable, m'a dit, monsieur Do. Me dit, est-ce qu'on te fait une déclaration politique générale devant le Parlement? Il dit non. Me dit, mais on pas t'engager devant le Parlement. Parlement pas un rapport à vous. Ou t'as le point de job ou dégage. Ok? Donc, Parlement pas qu'à bord de charge. Parce que Parlement pas de bon charge. Claire. Pour Parlement bord de charge, faut le bon charge. Pour Parlement bord de responsabiliser, faut le bon responsabilité. Parlement pas de bon responsabilité. En sorte que, ni Ariel, qui premier ministre, je dis à quoi faire mon gouvernement, ni Claude Joseph, ni Lapin, tout le monde qui fait partie de l'équipe gouvernement, il n'y a pas de chambre de charge pour la vie, parce qu'il n'y a pas d'engagé devant le Parlement, parce que l'institution du Parlement... Non, professeur, où est là? Parlez fort. Où est là? Non, bon, où est là? C'est un coup tap sorti font verrette, et puis wap descend mon César, ou bien mon fan, bon la kay mwen. Un gros kozo dit là. Qui sort dit là? Zorey mon pas fin tande. Et m'ai l'impression que moun ki pas tande. Ah, bon moi reprend sort dit, pour moi si m'te bien tande. Ou dit que si nous rete dans la loi, c'est la loi de boussole nous dans le pays d'Haïti. Oui. Ni Jean-Michel Lapin, ni Evans Paul. Ben qui t'aime citer pour moi si m'te bien tande. Parce qu'on connaît paysan yo, yo besoin tande clair ça va passer là. Ou dit que ni on est dans coup capé Evans Paul. Ni Jean-Michel Lapin, ni Joseph Jout, ni Claude Joseph, ni Zami Saoufek mette la Ariel, Henri, ak tout l'autre ministre qui la yo, yo pa gen dwa jam gen des charges pour la vie. Pour la vie, pour juste en yo mouri. Parce que qui s'active, le poste de premier ministre a une logique. Et c'est la raison pour laquelle, m'abdouté, mon dernière phrase formera le dollar encore. Constitution a pas appliqué en Haïti, c'est parce que les acteurs politiques ne la connaissent pas, ne la comprennent pas. C'est parce que acteurs politiques n'ont pas maîtrisé les systèmes politiques dans lesquels nous évoluons. Yo youn pa konnen. Ça veut dire majorité moun wè k'ap fè politique là jodi a, ki sénateur, ki député, ki président de la République, ki ministre. Yo youn pa konnen sa yo t'ap vin régler. Et m'pral expliquer, m'pral fò wè ça à la fin entrevue.
Donc ça veut dire yo youn gouvernement ça yo, yo pas gain des charges. Pour qui ça yo pas gain des charges? Parce que pas gain parlement qui te ba yo charge. Pas gain parlement qui te ba yo responsabilité. Et qu'on a étudié à demander qui ça que les responsabilités, mais ça que les responsabilités. Léonormon premier ministre a fait en déclaration de politique générale devant parlement. La déclaration de politique générale du parlement, même si c'est premier ministre là qui écrit, le fait que parlement vote elle, il vient transformer le nom de premier ministre là comme un mandat ou un acte d'engagement. C'est comme si qu'on a parlement ballon mandat, il dit même mandat, mbao. Parce que dans la déclaration de politique générale, le premier ministre prend des engagements à caractère politique, à caractère économique, à caractère social. Maintenant, il dit, mais mandat que m'baou, m'fin voter pour vous, qu'on a transformé la déclaration politique générale là en mandat. Qu'on a l'enfin bon mandat, mais pour appliquer mandat. Maintenant, pour implémenter mandat, m'dit mon budget m'baou. Donc le budget, ce n'est pas le budget du gouvernement, c'est le budget du Parlement, parce que le budget, c'est une loi du Parlement. Et puis il dit comme ça, mes moyens que m'baou pour appliquer mandat ça. Ça veut dire bon charge. Donc moun qui bon charge là, c'est lui qui a bon décharge. Donc moun qui bon responsabilité là, c'est lui même qui a déresponsabilisé, c'est lui qui a dit que gestion bonne. Pas de personne encore qui a dit gestion bonne. Et puis m'a pas ajouté. Les nègres dit comme ça, tout le monde qui a un avis favorable. Temdo. La Cour des comptes, c'est une institution qui se situe. Si moun kapten de là, dans la dépendance politique du Parlement. En sorte que la Cour des comptes, c'est les bras techniques du Parlement. Claire. La Cour des comptes travaille en particulier pour le Sénat de la République. Et pas pour le Parlement. Pour le Parlement. C'est une bagarre. Gardien de la Constitution, c'est la seule institution côté Sénat lui-même lui choisit pour contre lui. Correct. Tous les juges de la Cour supérieure des comptes du Conseil sont choisis par le Sénat de la République. Donc la Cour des comptes, c'est pour le Sénat de la République l'allié. Claire. Donc c'est le bras technique du Parlement. C'est raison ça qui fait Ariel Télus. Si mon capitaine de haut, le Parlement n'est pas lié par le rapport de la Cour des comptes, même si le rapport des comptes là, lui favorable ou le défavorable, le Parlement pas lié la donne. Et ça te fait, professeur Saint-Louis, avant aller plus loin? Ah ouais! Moi même, bon, me dis non, petit bagage à la société. Je pas rentrer dans la dynamique, aucun nègre qui prend, qui fait grosse tête sous prétexte que c'est eux-mêmes qui piquent dans la République. C'est pas ça. Nous t'as l'école, nous ne doit pas arriver dans le même niveau à tout le monde, mais il y a des bagages que nous comprenons. L'homme t'a regardé dans la Constitution, projet Constitution, nègre, pour vouloir pour tes banou, hein? Dans l'article 137, nèg yo bay tout cause pour nèg vin président, etc. Premier sa nèg yo fait, alors que li nan constitution pa nou, yo wete des charges là dans paywa. Et puis gen nèg, moi mwen le nèg sa ou des petits nettoyeurs du PHTK qui font sale boulot. Et ben nèg yo prend, yo kounya ou vle comprendre que constitution li pa clair sous affaire des charges, donc yo bien fait wete l. Est-ce que nous comprenons qui ça nous prend, mes chers amis? Ça dit, si projet constitution a passé, ça dit, tout ça, professeur Saint-Louis Abdilayo, Jacques Adler t'a dit, oh, c'est Boudanini. Parce que nous avons eu tes affaires de charge dans le projet constitution par Ewa. En avance, professeur. Oui. Non. Tout bagaille est clair dans la constitution. Ce n'est pas parce que la constitution ne saurait être une œuvre parfaite. Pas qu'une œuvre humaine qui est parfaite, non? Comme professeur de droit constitutionnel, il me fait travail sous constitution. Madame Maniga fait des travaux qui est extrêmement valable. Elle a relevé des imperfections, des imprécisions, ou comprendre des ambiguïtés et même des contradictions dans la constitution de 1987. Soit regarder la constitution des Américaines, elle subit 27 amendements. Ça veut dire qu'elle a adapté à l'évolution de la société américaine. Il en est de même. Si nous pas de bonne classe intellectuelle qui paraissent, et Mabdou Satériel Télus, pour me faire attention, hein, la majorité des nègres qui disent aux intellectuels en Haïti, c'est des fraudeurs académiques. Hé, professeur, ou capable de dormir à ce moment-là? Gros cause, on parle là. Yo, les nègres, ça, intellectuels, bon cathédrale. Hé, nègres, qui prennent ou libre sous docteur. Yo, dit, yo, c'est docteur. Comment on nègres, c'est docteur? Ou pas produire rien? Ou pas faire aucune recherche académique valable pour partager connaissances ou avec jeunes? Et pour ou ap dit tout, oh, c'est docteur. Et pour la effondrer en société à tout doctorat là. Où sont bluffeurs? Où sont mal pour pays? Parle avec professeur. Y a tant d'eau là, y a branché.
c'est mzo. Son paquet fraudeur académique. Comment ça n'est-ce que fait? Si vous regardez la constitution n'est-ce que présenté, bah voilà, vous copiez 12, au moins 12 constitutions dans le monde. Bon! N'est-ce que prend article dans 12 constitutions dans le monde, vous relève sa fraude académique. Ça veut dire que c'est plagiat. Bah là, vous sans cohérence. Yo on bagaille écrit en français, bel on bel français et qu'on côté et puis dit oh ça bel ou bien me prendre au métel. Professeur, moi-même ouais bon ou dit 12, moi me dit ouais 2 seulement parce que ça me tape li dans baï nèg yo, moi tête là la France, Bouddha États-Unis. Par exemple, article 1, constitution française là, il y a les mêmes gens ak ça au porter ba nous sans wetan rien, même bagaille la net. Et moi d'ailleurs, yo wetan indépendant dans pas loin yo métel yo, même jour en France là, même gens lié tout ou pas yo. Ensuite États-Unis de parler de vice-président et puis yo prend ça tout yo mettez dans paroi. En avant ces professeurs. A dit m'té clair. Oui. M'té clair, m'té ouais ça, m'té ouais ti bail ça. Justement. C'est ça relé, nèg yo c'est des plagiat, c'est plagiat à faire, c'est des fraudeurs académiques, c'est des fraudeurs. C'est pas des intellectuels, c'est des fraudeurs académiques. Parce que l'ancien intellectuel ou dans la création ou dans la productivité. Donc souvent dans la création, pas dans la productivité, c'est copier bagaille moun, donc ou sont fraudeurs académiques, nèg ça ou pas mérité titre pour dire c'est intellectuel. Donc moi même relé des fraudeurs académiques. OK? Maintenant, dans la question des décharges là, pour venir bien comprendre encore, on allait plus bas. La décharge est annuelle. Premier petit bail pour petit moun yo konnen là encore, la décharge est annuelle. Il n'y a pas de cumul de décharges. Attendez bien derrière le suis. Là n'a suivre avec attention professeur. La décharge est annuelle. C'est chaque année pour Parlement bail décharge. Pas de cumul de décharge. Ou bien, c'est pas de faire comme si, tant coup, les nègres pas ministre encore, et puis pour écrire Parlement pour demander le décharge. Ça n'existe pas. C'est une bêtise. Et ça prouve qui ça? Ça prouve que nègres qui étaient ministres, ils pas doué ministre parce qu'ils pas contre l'État. Et on va dévouer tout ministre. Tout premier ministre, les pas premier ministre encore. Et puis, il y a écrit par le moment de le décharge. Ça prouve que il n'y a pas de compétent pour arriver côté de là. Et Mabdou, ça arrive, cher ami. C'est d'assouri, n'est-ce pas, pays à. Depuis, on écrit trois mots français et deux intellectuels. N'est-ce pas, pays à d'assou. Non, c'est docteur. Qu'on y a tout d'ex, c'est docteur, maintenant. Et au pire, bonne analyse. Il y a sous réseau, il y a tout côté dans les médias, c'est docteur. Et puis, il y a comme si, coché l'esprit peuple là, et puis, c'est docteur. Il c'est docteur professionnel. Justement. Donc ça veut dire pas gain cumul de décharge, pas gain décharge est annulé. Dans ancien ministre qui dit ah, on va arriver, yo bon décharge pour 2 années, on pas gain l'autre 3 années. Yo. Il n'y a pas de cumul de décharge, la décharge est annuelle. Monsieur stérile. Donc ça veut dire qui ça? Si le nègre est ministre après le pas ministre l'a demandé décharge, c'est qu'il pas il pas doué dans l'état. Ça veut dire pas contre fonctionnement. C'est premier pays pas on est grivé dans tête l'état le ministre, le premier ministre et puis il pas maîtriser aucun dossier l'état. Et m'a conclu pour vous me dire sous ça m'a doit là. M'vin rendre compte que le seul consensus que nous ayons gagné au cours de ces 30 dernières années, c'est autour de la corruption et de la médiocrité. Tête chargée. Gagnons amis à Montréal, c'est Mario cher enfant, il dit que mandé professeur, est-ce que gagnons période prescription pour affaire des charges là? Écoutez, il n'y aurait ça veut dire pas même de, ça veut dire ça pas même question ça pas même poser pour question même. Bon, OK, gagnons c'est 20 ans mais question ça pas même poser, là m'a dit qui t'aime développer pour la décharge est annuelle. Qu'est-ce que ça veut dire Thériel Delu? Ça explique tout le monde. Ça veut dire moun ki haut fonctionnaire de l'administration, moun ki a dit j'étais un haut fonctionnaire de l'état mais qui pas jamais connait comment l'état fonctionnait. T'aime-dou. On salue Gonzague de. Ba radio en volume pour Gonzague tendez parce que monsieur pense l'état c'est affaire racher zong moun fait macaque ba pression. Gien plus que ça Gonzague, gien plus que ça. Ou met parler professeur. Okay. Yo pas connait l'état ni en pratique ni en théorie. Et m'a dit ça au cours de ces 30 dernières années c'est ça. Ça veut dire moun ki dirige l'état yo pas connait ni en théorie. Ça veut dire comment l'État haïtien fonctionnait, ni dans la pratique, parce que finalement, les rentrés dans l'État, ils considéraient l'État, et même Haïti, comme une colonie d'exploitation et de plaisir insensé. C'est comme ça qu'ils considèrent l'administration publique comme une colonie d'exploitation, côté de passer pour prendre plaisir. Mais ils ne connaissent pas l'État. Ils ont fait 30 ans dans l'État, mais ils ne comprennent pas l'État, ils ne comprennent pas le fonctionnement de l'État. Temdo, les années fiscales finitérielles, mon budget qui votait. Ça veut dire budget. Parlement, bah, exécutif, là, on budget, il dit, en fonction des engagements que tu prends, même, bon budget pour exécuter engagement, yo. Mais à la fin de l'année fiscale, la loi sur la comptabilité publique et sur les budgets, il fait obligation
à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour écrire un rapport. Parce que c'est lui qui peut écrire rapport pour le voyer by le Parlement. Pour dire, si les conditions dans lesquelles le budget a été exécuté par le gouvernement. Et en cette occasion, la Cour des comptes lui prononce sur la situation des comptables des deniers publics. Et comme bras technique, Parlement, c'est la Cour des comptes qui dit Parlement, mais tel ministre, dans l'exécution budget qui était fait faute, faute administrative grave, qui était détournement par rapport avec budget que tu as détourné budget. Maintenant, rapport ça, il vient devant Parlement. Qui ça Parlement gagne pour le faire? Rapport ça, il faut accompagner de ça, de la loi de règlement. Ça veut dire la loi de règlement, c'est comme si vous voyez un petit monde à l'acheter pour vous. Ou de l'acheter sucre, à l'acheter farine, à l'acheter poids. Et puis, elle porte toute commission, yo, bah, ou dit qu'on y a un fait règlement. Qu'on y a pour garder pour ouais. Est-ce que tout sorte bah l'acheter, yo, li acheter, yo? Maintenant, s'il m'y acheter, yo, ou dit, ah bon, bravo, sous mal acheter, yo, qu'on y a, ou mandé le compte. Mais la loi de règlement. Mais, constitution a dit, et même loi sous budget, et loi sous comptabilité publique, là. Li dit, avant parlement, li bay gouvernement, au nouveau budget, faut assurer que le budget de l'année écoulée a été bien exécuté. Et là, si le budget a bien, le Parlement li bien exécuté, le ballon l'autre budget. Or, avant que pour voter un nouveau budget, premier bagage pour le Parlement faire, faut voter la loi de règlement. La loi de règlement équivaut à ça, équivaut à décharge, à déresponsabilisation. Ça veut dire, depuis le Parlement voter la loi de règlement, chaque fin année fiscale là, ça veut dire que vous décharge. Ça veut dire, Parlement pas cabaye gouvernement au nouveau budget s'il pas assuré que le budget a été bien exécuté. En sorte que, mais ça me bralzou. Commission bicamérale là, c'est comme si son simple formalité. Et puis il réunit, et puis chaque début de l'année, de la session ordinaire, il y a accordé des charges. Parce que ou pas cabaye ministre là, un nouveau budget. Sans ou pas balle des charges pour ancien budget de cet exécuté, de sorte que pas un cumul de décharges. Correct. M'basso, tout répond à la question, zami, te dit ça là, qui t'a dit que sous tes ministres déjà, est-ce que ou capable de retourner vite ministre, ou pas capable de retourner vite ministre sans qu'on pas bail détail. Et ceci est valable pour les maires également. Moun kap gérer commune yo. Yo besoin de charges. Absolument. Correct. Ce qui fait que t'élus, a fait que mille de décharges là, pas gagné, a fait que comme si les nègres la fin ministre, c'est le chit à la Kaili, et puis l'écrit parlement pour le monde de décharges, ça pas n'existe, ça n'existe pas. Parce que déjà là, c'est chaque année pour yon bay yo. De pour te fin exécuter ton budget, donc Parlement pas qu'à bon ou l'autre budget, sans pas voter loi de règlement, sans pas rendre compte que le budget qu'il te comité barote bien fait. Et depuis le bon ou l'autre budget, li vote loi de règlement, ça veut dire bon décharge pour année ça. Mais qu'on y a là, li bon ou l'autre responsabilité pour l'autre année. Donc commission bicamérale là qui ça pour le faire, et puis il réunit au début année, et puis le certificat, et puis il baille des charges. Mais qu'on y a subtilité qui gagne dans sa Mabdoula là. Maintenant, qu'on y a là, dans la loi de règlement qui prépare, si la Cour des comptes dit, mettez le ministre pendant l'année fiscale là, qui te violé la loi sur le budget et de la comptabilité publique au fait détournement de fonds, même côté, le Parlement, les destitué ministre là, et puis le présenter le pas devant la Haute Cour de justice. Et c'est ça que fait l'article 186 Constitution 1, yo tous les ministres, yo justiciables devant la Haute Cour de justice pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Professeur, pas professeur, pas tant de ministres là, pas ministres encore là. C'est pas de la exécuté budget, budget qui existait l'année passée. Pendant le parler devant vous, yo prépare un autre budget ou dit non. Voici les règles sur la comptabilité publique. On été constamment violés par votre ministère. Donc, les fonds qui ont été mis à votre disposition pour l'année fiscale ont été détournés et que les travaux n'ont pas été réalisés, le Parlement révoque le ministre et puis révoque le ministre. Les fins révoquées, ils prononcent la mise en accusation et puis le Sénat s'érige en haute cour de justice. Mais ça me dit tout là. Depuis 30 ans, le peuple a payé ministre, le peuple a payé premier ministre, le peuple a payé député, le peuple a payé sénateur, l'a payé président de la République, il n'y a pas de fonds MED. Professeur, et ça me d'abord le doux là. Parce que ça on peut expliquer là, bon c'est vrai, là nous finis. Mais sur l'émission, t'as fait au moins 3 heures de t'as parlé. Tellement on a déposé bail sérieux pour la République. Et me pense, faut nous planifier, professeur. Ou pas comme si rare comme ça. Son émission, ça c'est le mot de Captain Dou là dans l'émission ça.
Ça me comprend, professeur. Gomba ou avancé là qui fait me comprendre plusieurs bagailles. T'as l'air de dire que c'est parce que ministre yo pas kon wòl yo comme ministre. M'sûr que c'est parce que nous voté trop égaré tout comme sénateur, comme député, qui fait que nous pas jamais ka pays a marché mal comme ça. Ça dit parlementaire yo pas kon wòl yo, pas kon fonction yo comme parlementaire. Sinon, m'sûr que si yo te rempli fonction yo normal, nous t'apprenons l'autre Haïti, professeur. Absolument. C'est pas seulement de qu'il y a mouto qui est député, par contre Wolio, mouto sénateur, par contre Wolio, parce que le Parlement, pendant 30 dernières années, il a échoué dans sa mission de contrôle. Claire. Et n'est qu'à porter valise pour des ministres. Femme dit bah la janvier, son paquet parlementaire qui a porté valise, ministre, n'est qu'à frapper. Mon ami qui est ministre qui a dit que chaque ouvri barrière, son député loin de devant barrière qui prend le compte ministre. On va être chargé, pays, ça, professeur. Écoutez, m'a besoin bagaille. Faut mon si gens très sérieux là. M'a besoin bagaille là pour me très sérieux. Et faut honnête pour me dire. C'est pas Jovenel non, ouais situation ça qui là, c'est pas Jovenel seulement qui responsable, non, m'gal monter responsabilité Jovenel dans affaire des charges là. Claire. Mais c'est pas Jovenel seulement non responsable. Ça veut dire pendant 30 dernières années yo, nous t'es bien sénateur, nous t'es bien député pas vaut rien. Yo pas fait ken rien du tout. C'est l'échec total, c'est la faillite totale. Je dis à par rapport avec un scandale ça qui fait dans le pays, par rapport avec des charges là. Ou bien 5 législatures qu'on a dû mettre en prison. Parce que la mission de contrôle du Parlement n'a jamais été faite dans les buts de protéger l'intérêt général. Cette fonction de contrôle n'a jamais été exercée par le Parlement en vue de protéger l'intérêt général. En sorte que Teriel Telus, donc c'est pour nous juste aujourd'hui, depuis la 45e législature, il faut apprendre tous les députés sénateurs qui vivent dans la 50e législature qui vivent là. Et tout le monde qui est dans le grand corps qui nous mettait en prison. Ça explique que. Mais c'est un gros gros va parler là, oui. Gros bagage. On a été tous en prison et Fondation a demandé pendant 5 législatures si ça a été fait. Parce que c'est étonnant. Comment depuis 1991, à nos jours, le pays n'a pas connu qui est ce qui était bon serviteur, qui est ce qui était mauvais serviteur de l'État. Ça veut dire que la mission de contrôle du Parlement n'a jamais été exercée. Ça veut dire que pendant 34 ans, on a payé un paquet de malfaits et puis on a réalisé rien pour le pays. Et je dis à cette toute nation haïtienne nan, qui te dû mettre 5 législatures et pour débarquer la caillou, mettre tout vagabond dans la prison. C'était des brigands et des hors la loi, au même titre que les gens qui sont dans l'exécutif. Et ma bonne bagaille, certificat de charge ça, que je venais le bail là, si ministre qui bénéficie de lui, il a servi avec elle, il a porté empreinte à tout jamais des bandits et des hors la loi qui ont pillé l'État. Parce que la décharge, c'est une fonction, c'est une attribution du Parlement. C'est pas attribution de Jovenel Moïse. Et Mabdou, qu'on y a la responsabilité de Jovenel Moïse. Responsabilité au président qui est élu sous l'égide de la Constitution de 1987. C'est pas venir parler là, vous venez parler de route, parler de l'hôpital, parler de courant, parler d'infrastructure. Ce sont des activités qui relèvent du Premier ministre et du gouvernement. Parce que la Constitution 87 là, l'établit en diachie dans tête pouvoir exécutif là. Et moi, Jovenel Moïse prend malin plaisir et puis il a dit, je passe des instructions au Premier ministre. On ne peut pas passer des instructions au Premier ministre parce que le président de la République n'est pas le chef, n'est pas le supérieur hiérarchique du Premier ministre. Professeur Saint-Louis, face à la réalité ça, je vous dis, lorsque pouvoir prend initiative pour capable by moon décharge, nèg yo commencé de 1991 pour arriver 2017. Ou pensez que son bail qui fait à dessin pour favoriser une catégorie moun bien spécifique ou bien ou faire une sorte de diversion ou montrer que tout moun la dedans. Écoutez, c'est une décision qui prend dans cadre d'une stratégie pouvoir pour se maintenir au pouvoir. Et ou pas qu'à examiner décision ça sans pas rentrer et dans perspective qui gagne aujourd'hui. Et ça qui gagne aujourd'hui, c'est que le pouvoir veut organiser des élections. Et faut marier question élection avec question de décharge là. Donc son tentative du pouvoir en place de se perpétuer au pouvoir, et c'est dans le cadre de ça. Donc pour comprendre stratégie ça. Mais qu'on crée une bagarre m'a dit pour me terminer. Et bête ça, et au pas qu'on aime.
on peut avoir la décharge, attendez bien, on peut avoir la décharge et être poursuivi pour corruption. C'est deux bagages différents. Hey, c'est à nous, bah, professeur, a dit la mouette, c'est une tête, monsieur. Eh ben, tu quoi, on dit là, professeur? A dit, ne yo gen de penser que décharge yo gen en meyoa, c'est comme si son fenêtre qu'il ouvrit pour yo faire ça ou vle. A dit, même si yo gen décharge, les gen justice dans pays yo ka poursuivi yo pour corruption, pour volo. Décharge là pas exemple de poursuite. Parce que qu'est-ce que la décharge? Okay. Qu'est-ce que la décharge? La décharge là, c'est qui ça le dit? Décharge là dit, voici les règles comptables. Ouais. Et les règles sur la comptabilité publique, les règles du budget ont été respectées. Parce que m'a pas expliqué qui s'arrivait. La corruption, c'est une infraction pénale. Alors la décharge, l'on était dans la décharge ou dans l'ordre administratif. M'a pas expliqué pourquoi pour nous comprendre. Yo gen droit bon fond on caille. Yo dit yo bon fond l'école. Yo dit l'école là faut gen 10 chambres. Et puis l'école là gen 10 chambres. Yo dou faut gen 4 toilettes li fait. Yo dou que c'est 2 étages et puis tout 2 étages yo fait. Tout bagaille yo fait. Travail la gen doit fait et puis gen corruption. Oui, ça arrive tout le temps. Travail la fait pas gen corruption, c'est deux bagailles qui différents. Mm-hmm. Parce que là le travail peut être réalisé et puis yo poursuivre vous pour corruption. Oui. Parce que travail a coûté par exemple travail a coûté 5000 goudes pour 150 millions de goudes. Absolument, ça veut dire travail la gen doit faire deux yoté le travail la fait là et puis gen corruption là dedans. Gros cause qu'a parlé là. Ça veut dire, on peut avoir la décharge et être poursuivi pour corruption. Décharge, pas vous dire, pas poursuivi pour être arrivé. Ça n'a aucune importance et ça n'a aucune relation. Et m'a conclu pour me dire, pour me parler des présidents de la République là. Le rôle du président de la République, c'est de faire exécuter la Constitution et de s'assurer que les institutions marchent. Et comme la décharge, c'est une question constitutionnelle, mais ça pour Jovenel Moïse de fait. C'est pendant le président, pendant que déchargé le Parlement, pour le alerter le Parlement, pour le dire Parlement comme ça, bon question, il y aurait les questions de décharge. Et le fait que nous refusons de prononcer nous sous question de décharge, il y a droit civil et politique moun qui violé. Et ça, il n'est pas bon. Il y a des gens qui te servent l'État. Il n'y a pas de volet et c'est normal que le Parlement lit prononcer sous question de décharge moun yo. Donc, attribution ça à Jovenel Padjouel, et le fait qu'elle Padjouel, il est en infraction à l'article 136 de la Constitution, et de ce fait, il ne peut pas aujourd'hui s'approprier de la fonction de contrôle du Parlement. Merci Thériel Tellus. Merci en pile, professeur. Franchement, gonzami dimavon, allez, faut me balancer, bravo.